Et plop les gens, de retour pour ce troisième et sûrement dernier épisode de Distance sur la campagne. Alors on recommence cette fois dans le menu des options parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait activer les sous-titres. Alors en plus on peut choisir la différente taille. D'ailleurs je vais peut-être les mettre en large parce que par défaut ils me paraissaient pas très gros ceux que j'ai vus. Et ça m'aurait peut-être aidé à comprendre ce qui se racontait parce que... Entre les musiques, le son de la voiture, le fait que la voix par défaut, enfin que la voix soit en anglais et brouillée, c'était compliqué. Et si vous jouez pas en ligne, mais que vous n'aimez pas spécialement la musique, bon déjà, voilà, c'est votre choix, vous pouvez sélectionner votre propre dossier de musique et mettre les musiques que vous avez sous. Et que vous pensez pourrait correspondre. Moi, les musiques qui sont dans le jeu, ça me va. Surtout que je suis en live et que je compte uploader la vidéo sur YouTube en plus de Peertube. Donc, il se peut que si je mette mes musiques perso, on me dise hey, t'as pas payé la licence, tout ça, tout ça. Le garage, on peut changer les couleurs. Donc default c'est ça, si je fais randomize. Ah. Ok. Oui on peut prendre une voiture. Effectivement, il y a d'autres voitures qui sont gigantesques. Oh. Ici par exemple. Je crois que je vais quand même rester sur la voiture de base. Oh. Non. Default. Ah oui, on peut les éditer à la main. Oula. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre voiture? Non, il n'y a que ces deux-là. Très bien. Mais je vais revenir, je pense, sur... les couleurs par défaut parce que changer comme ça à la fin ça ne paraît pas une bonne idée et en plus j'ai beau aimer le sombre, la route est sombre, je risque de me perdre on va dire. Donc cancel, oui, ne pas appliquer c'est encore mieux. Workshop on va pas regarder, on va faire la campagne. Donc comme prévu, Nexus. Et si la vidéo fait moins d'une heure, ou dépasse pas trop une heure, on essaiera de voir un petit peu l'arcade. Autrement, on verra si j'ai la motivation de tester l'arcade ou pas. J'ai un embranchement, mais je ne l'ai pas vu, donc peut-être qu'il faut sauter dans le vide pour le voir, je ne sais pas. Qui m'embête un peu en fait aussi avec ce jeu. Il me dit que j'ai des embranchements, mais je n'en vois pas.
On a dit les poteaux s'élargissent. Premier niveau, c'est plus facile que la campagne précédente. Mais ce n'est que le premier niveau où ils introduisent déjà au moins deux obstacles, là, ceux-là. Et les faits que le... que les plots qui apparaissent au milieu de la route s'élargissent, peuvent s'élargir. Boosting system. Déterrence. Bon alors là, c'est pas du tout ce que ça peut... Par quoi je peux le traduire ce mot? Ça paraît déter, déterminé, mais... Bon, pourquoi je pensais que ça allait s'en remettre sur la droite? Ah, on a nos ailes. Oula. J'ai cliqué trop tard, du coup la voiture a voulu déployer ses ailes au lieu de juste sauter. Non. J'étais trop attentif au...
au timer des trucs qui passent, que je voyais plus la route et l'obstacle. Ça a l'air quand même plus facile que le truc précédent, hein. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a que 5 niveaux. Terminus. Tout le monde descend. Peut-être que c'est là où les ennuis commencent vraiment. On va voir. Ah, gauche ou droite. Ouh. N'importe quoi. Donc là, la porte se ferme. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est arriver là. Ok, bon. Ah, fallait que j'arrête de voler. N'importe quoi.
Mais non. Ouais. Ouais. Quoi? Non, 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 non. Wow. Ouais. On réapparaît, c'est pas drôle d'être en dehors de la route. Oops. Ah non. De la mouise. Ah là là. Et forcément. Loading. C'était niveau 3 ou 4, je sais plus. Un seul niveau. Apparemment, c'est pas la fin au final, le loading. Oh, punaise. On avait beau tomber. Sortie des ailes immédiatement.
Oups. Attendez. Dommage. Wow, 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 wow. What? Où est-ce que je devais aller? Là-haut. Fait le niveau adventure pour avoir un peu le texte. On peut tester un petit peu d'arcade, multiplayer, pas trop envie. Ah oui. Ouais, on va déjà tester ça. On ira tester un petit peu adventure, voir si. Searching for replay, ok. Si dans les aventures de l'arcade il y a quand même le texte. Ok, il y a des cailloux. Des pyramides. C'est pas grave, je suppose. La médaille de bronze, la médaille d'argent, et je suis pas très loin de la médaille d'or.
Meditor est à 1 minute 55 et je sais pas combien de temps j'ai fait, c'est un peu dommage. Ok, continue. Ah, j'ai fait 2 minutes 4, donc 10 secondes plus rapide. Donc là, start ou next. De toute façon, je suis pas... Ouais, 1 minute 7. Deux fois moins de temps que moi, mais ils doivent avoir trouvé un cut. Bref. Ouais, on va essayer Vector Valley. Et après, on ira faire les quelques niveaux, le premier niveau de la première campagne. Oh! Ça fait une ambiance très Miami Vice, Tron. Voilà. Et j'ai pas compris aussi c'était quoi les cheats. J'ai pas lu le panneau, c'était marqué Drive Fast, mais j'ai pas tout lu. Start your engine. À fond et on a, quoi qu'il arrive, la régène juste avant que le moteur explose. Et donc celui-là c'est vraiment un niveau beaucoup plus pas press forward, mais pas trop d'obstacles, de techniques à avoir, c'est jeu de voiture standard. Faut aller sur la piste pour aller le plus vite possible. Ouais. Si je fais de la merde, je fais de la merde. Fall the way, je sais pas quoi. Le looping. On va regarder le temps. 1:47 pour l'or. Ok, j'ai fait 1:50. On peut essayer, on peut le réessayer celui-là. Il est un peu moins long et beaucoup moins technique. On va tester sans faire de bêtises, sans essayer de s'envoler, sans lâcher le boost. Jamais. Jamais je lâche le boost. Je suis sûr que là je peux sauter à droite et faire un énorme cut en allant, parce que j'esquive justement tout ça et j'atterris genre là et je continue. S'il n'y a pas besoin de passer par tous les checkpoints, c'est largement faisable. Un petit peu de vol bien placé, on perd pas trop de vitesse je pense.
pareil, on peut faire un petit vol et atterrir en face, on nous évite de faire le looping. Expert driver, j'ai la médaille d'or, je me suis fait spoil. Voilà. J'ai amélioré de 10 secondes mon temps quand même. Local leaderboard, fin de leaderboard. Et le global, une 47 secondes, ouais. Les cuts sont autorisés et j'en ai déjà vu 3-4. Mais j'ai pas envie de les essayer. Main menu. Refract, c'est le développeur, je n'ai pas regardé le... l'autre. Et voir s'il y a le texte. Ah. Il y a des gens qui sont déjà plus rapides que moi là. Je suis freeze. Ok. Vous pourrez me dire dans la VOD si le timer a été freeze ou si j'ai perdu 3-4 secondes comme ça. Remain 1-2%. Ouais, d'accord. 1:17:24. Je suis refreeze. Hein, j'ai l'impression que c'est tout le jeu qui freeze, donc le timer inclus. Je pense que mon PC là, au bout de 3 heures d'affilée sur le jeu, il est bien entendu souffler. Je pense qu'il en peut plus beaucoup. 3 heures sur le jeu avec le stream, tout ça bien évidemment. Je l'ai pas démarré et streamé direct non plus, donc il était déjà un peu chaud. Pas démarrage à froid. On va dire que ça vient de là. Effectivement, le timer n'est pas vraiment tout le jeu qui freeze, sauf le son. Ce n'est pas trop gênant au niveau timer. Quoi. Et si on essayait de faire un speedrun avec le temps IRL, c'est très ballot. Il est long ce niveau. Ok. Je ne savais pas qu'il fallait sauter à cet endroit-là. Je suppose que c'était le premier endroit où on nous apprend à sauter. Là, là à gauche, je crois que les... Ouais, mais apparemment tout le monde va à droite. Il n'y aurait donc pas de sortie à gauche. Ok. Malgré ça, j'ai la médaille d'or. Toggle names, none. Et tout. Se refaire le replay, oui, on retourne au menu.
réfract. On ne sait pas qui les a fait. Personnage, ça doit être moi. Workshop, ça doit être ce que j'ai téléchargé. Workshop. D'accord, les trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Et ça, donc le premier c'était Refract, le deuxième Mac Krekna 1. Et d'autres Refract, d'autres personnes. D'autres niveaux sont faits par pour les développeurs et certains niveaux par d'autres personnes. Ok. Bon, pourquoi pas. Advanced. Les niveaux officiels, les niveaux du workshop, les niveaux des amis, les niveaux perso. Tous les niveaux. Donc c'est un peu la même chose. Au moins 100 médailles pour le débloquer, d'accord. Je vois mon timer, je vois. Ok. Bon, moi je vais arrêter là. Ah non, attendez, j'ai fait sprint. Donc sprint c'était survivre à la course. Donc il reste un peu de temps autant qu'on teste un petit peu les autres options. Survivre à la course jusqu'à la fin. Là c'est pas de reset, pas de checkpoint. Seulement on a la vitesse sur des courses rapides. Elle a aussi encore pas mal de niveaux. Ok, non, il n'y a que ceux-là. C'est parti, on essaie le premier. On va peut-être essayer les deux premiers, puis on passera à la suite. On va tester comme ça. En espérant que mon PC ne décède pas entre-temps. Ah, did not finished. Ok. Ok. On va peut-être pas faire deux niveaux, hein. J'ai assez souffert, moi, vous savez. Avec les fantômes, ça peut aider à se rendre compte des autres chemins. Là, juste avant, vous voyez que c'était très symétrique au final. Okay, oui, c'est quand même pas si loin que ça, c'est juste compliqué du coup. Extraordinaire! Unlocked level. Oh. Et ça n'a faut de truc, mais c'est ok. Je ne suis pas le dernier, c'est cool. Et next. 44 secondes théorie. Ok, c'est quoi ce niveau? Ça va être bizarre encore, je le sens pas. De mémoire, tout ce que j'ai vu. Ok. Ok. C'est pas un niveau fait par les développeurs. Attendez. Okay.
On pourrait presque y aller tout droit direct, hein. On va essayer. J'ai touché. On peut pas vraiment y aller tout droit direct. Mais pas loin. Dommage. C'est pas mal. Oula, oula, oula. Ici. C'est très compliqué parce que on peut pas apprendre juste une partie, la partie qu'on a en cours, quoi. Qu'on fasse et qu'on fasse tout bien. Trop bas. Mais comparé au mode d'avant, au moins, il y a un peu plus de challenge, quoi. Dans le niveau. Enfin, après, j'ai pas fait tous les types du mode d'avant. Enfin, tous les niveaux du mode d'avant. Oh non! C'est plus facile en haut, c'est plus facile de se retourner. De toute façon, on l'a fait je sais pas combien de fois dans le jeu. Pas s'en faire. Oh non. Non mais non. Faut que je regarde le timer, savoir à quel point j'en suis à ce moment-là. Par rapport à leurs 44 secondes et quelques. Donc ça j'ai fait un quart. J'en étais à 10 secondes. J'en suis à 15. Hop là, j'en suis à 20. J'oublie de sauter. Là, je devais en être à 25. Donc il en reste une petite moitié encore du niveau que je n'ai jamais vu. C'est frustrant, mais il est quand même bien de niveau. Je sens que c'est parce que je suis un peu mauvais. Pas parce que le niveau est infaisable.
Voilà, parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est pas la peine. Ah, ils essaient de passer encore plus à gauche. Ouais, non, c'est pas la peine. Trop risqué. Faut pas que je saute ici. Faut pas que je saute. Secondes à faire. Non, j'ai encore sauté. Non. Je crois qu'il s'est réveillé et qu'il fait n'importe quoi. Pour changer. Allez, on va y arriver. Sans sauter, on est bien. Sinon, c'est la catastrophe et tout le monde nous dépasse. Et voilà, ça c'est parfait encore une fois. J'ai envie de finir quand même ce niveau. Oh là là. Je n'arrive plus à rien quand même. Et les niveaux de challenge, donne envie. Autant le... Maintenant que c'est passé, hein, la deuxième partie de la campagne, elle ne donnait plus envie du tout. Ah, punaise. Comment on fait pour esquiver? Ah, peut-être en atterrissant juste après. Compliqué. C'est compliqué.
s'abaissant ça passe mieux, et là il faut choisir, mais il faut le faire. Et après c'est possible. De l'or. Ouh. 46 grands. Et bah théorie 44, hein, théorie. Main menu, oui. Virtual drift. Ok. Hop. Stent. Legacy. Gold Collector Achievement to Unlock, ok. Ouais. Track more fight. What? Ah, c'est un truc qui génère. Ah ouais. Ouais, c'est juste ce niveau du coup. Et après, on y va. Peut-être tester le début d'une carte aléatoire juste pour voir à quoi ça ressemble. Par génération aléatoire. Oui. Il va vers quoi? Où allez-vous? Ok, petit lag, petit gros lag. Quoi? Ouais, non, d'accord. Faut faire des figures et tout. Bon. Ça, je pense que je vais. Je vais quitter. Juste essayer de prendre le. Aller au plafond comme l'autre et on quitte. Alors c'était où? C'était là le pilier. Trois minutes. Ce n'est pas. Ouais. Mais pas le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Trick. Ok, bon. Ici une petite seed aléatoire là. Au guichet, je sais pas que d'habitude ce truc, il a un. Il faut passer à l'intérieur de lui.
Ah. Ah ouais, ou alors, enfin il est plus large que d'habitude quoi, en tout cas. Ce que j'aimerais bien savoir vite fait, c'est si c'est long ou pas. Quand même. C'est un niveau de 25 minutes. On va peut-être pas le faire jusqu'au bout non plus, mais... Je pense pas. Bon, là, il y a de la vitesse et tout, c'est plus marrant. J'ai eu de la difficulté au début, pour le moment c'est plutôt du simple et ça a l'air de finir ici. Ok. Non, c'était sympa. Je connais pas les autres. Peut-être mince. Main menu du coup, oui, parce que next, ça va m'en régénérer aléatoirement. Je crois qu'ici on pouvait voilà, tester un Ice Realm, ça a l'air pas mal. Crazy Neon Disco Party. Non, Ice Realm. On n'a pas eu de glace, même si je pense que... Je pense pas qu'il y aurait vraiment de la glace. Voilà, il n'y a pas de glace, effectivement. Wow, wow, wow. Ah oui. Et par contre, du coup, la route est moins coupée. Elle est... C'est plus quand même une épreuve de vitesse, j'ai l'impression. Il peut y avoir des obstacles dessus, mais il y a une route qui va jusqu'à la fin. Je pense que c'est plus facile à générer des choses faisables. En plus pour tous les niveaux. Détour. Salvation Science. Allez. Ça va finir bientôt, non? Longue que l'autre, j'ai quand même l'impression que ça peut être juste une impression. J'admets qu'elle est sympa, sinueuse et tout. Allez. Voilà, ça, j'ai l'impression que c'est la fin. Non? Ah non. Ah, c'est la fin. Ouais, donc c'est vrai que le niveau est cool. Bon, sur ce, on va arrêter ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ah, du coup, on a débloqué tout ça, d'accord. Bah, tant pis. On a vu ce que c'était. J'espère que du coup même cette petite série sur distance vous aura plu, vous aura donné ou pas envie de jouer au jeu. De toute façon, je ne suis pas forcément là pour vous le vendre. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces vers le haut sur les épisodes. Et à très vite.